Dans les soins de santé modernes, quand on regarde, la façon dont on dispense les soins n'a pas fonctionné, car on traite le corps juste comme le corps. On voit maintenant toute cette reconnaissance que nous sommes plus que le corps physique, que notre mental, nos émotions et notre esprit ont un impact sur notre santé et notre bien-être. Et ces données scientifiques commencent à changer notre façon de voir les professions de santé. À l'heure actuelle, aux États-Unis, 75% de nos coûts de santé sont dus à des maladies chroniques évitables, dont beaucoup sont liés au stress. Vous savez, le stress et le burn-out ont été décrits comme la maladie de la civilisation. Je dois vous dire ceci. La première fois que j'ai atterri aux États-Unis, où que j'aille, les gens parlaient de gestion du stress. Je ne comprenais pas. Parce que dans mon entendement, on gère les choses qui nous sont précieuses, notre famille, nos biens, nos affaires. Pourquoi voudrait-on gérer le stress? Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que tout un tas de gens avaient conclu que le stress fait partie de leur vie. Le stress ne fait pas partie de votre vie, de votre travail ou quoi que ce soit d'autre. Le stress est juste votre incapacité à gérer votre propre corps, votre mental, vos émotions et vos énergies vitales. Vous ne savez pas comment tenir votre corps, votre mental et vos émotions, vous serez stressé. Stress veut dire que les dimensions intérieures de qui vous êtes sont en état de friction. Il y a suffisamment de friction dans le monde. Chaque jour, si on doit traverser ce monde, il y a tout un tas de défis et de frictions. Il y en a bien. Mais une fois que la friction a lieu au sein de cette machine, au sein de ce mécanisme, s'il y a friction, alors on est complètement amoindri, ça devient complètement débilitant, et c'est ce que la plupart des êtres humains vivent de nos jours. C'est comme essayer de faire fonctionner sa voiture sans y mettre de l'huile. En 10 minutes, tout est en état de stress. À l'intérieur, tout fait un bruit terrible. En ce moment, c'est ce que les gens traversent, et ça cause tout un tas de maladies psychosomatiques dont les gens souffrent. Je dirais que 70% des maladies dont souffrent les êtres humains sont auto-créées. Environ 30% vous arrivent de l'extérieur, à cause d'autres organismes, d'infections et de diverses autres choses. Peut-être que certains d'entre eux sont, vous savez, de par leur naissance, les gens ont certaines tendances, mais au moins 70% sont auto-créés, ce qui peut être facilement inversé, si seulement on s'occupe de l'être humain individuel. Et je peux le prouver avec des centaines et des milliers de cas qui sont sortis de la maladie sans traitement. Ils s'en sont sortis simplement grâce à une certaine qualité d'existence sans stress. Là maintenant, vous voyez, j'ai déjeuné et je suis en train de parler, et si je vérifie mon pouls, il est entre 55 et 60. Si j'étais à jeun et que je reste assis tranquillement pendant 5 minutes, il serait en dessous de 40. Donc, il n'est pas question de stress dans celui-ci. Lorsqu'il n'y a pas de stress, la quantité d'entretien requise diminue considérablement. Maintenant, on a des études qui montrent ceci. Un simple processus méditatif de 15 minutes et votre métabolisme va chuter jusqu'à 24% dans un état conscient. Il y a suffisamment d'études qui montrent que le mécanisme humain peut être amené à un mode de fonctionnement plus aisé, où il ne fonctionne pas en sur-régime. Pour l'instant, pour tout ce qu'ils ont à faire, ils doivent se booster comme ça pour le faire. Non, vous pouvez vous propulser tout en douceur. Vous pouvez vous propulser, quand je dis en douceur, pas forcément en restant derrière les autres, pas nécessairement à un niveau de performance inférieur. On peut faire fonctionner le mécanisme humain à différents niveaux. Si vous êtes dans un certain état de tranquillité en vous-même, là maintenant je suis fait comme ça, si je ferme les yeux, le monde disparaît pour moi, il n'existe même pas pour moi. Donc, la façon dont vous maintenez le système est importante. Maintenant nous en parlons, c'est la journée mondiale de la paix. Si la paix doit avoir lieu, l'être humain doit la connaître en lui-même. Quoi que nous voyons dans les sociétés humaines n'est qu'une manifestation de ce qui existe dans le mental des individus. Lorsque le mental des individus est dans une telle tourmente,
Comment apporter la paix au monde? Ce seront juste des discours vides de sens.